Bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est reparti de nouveau pour une nouvelle série de vidéos. On va regarder vos énergies du coup pour cette semaine du 5 au 11 août inclus. Merci infiniment pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça me fait vraiment chaud au cœur. N'oubliez pas, comme d'habitude, je vais être casse-pied, mais je me répète encore, hein, que ça reste donc un tirage général. Donc si le message vous parle, c'est que du bonheur. S'il ne vous parle pas, c'est pas grave. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou tout simplement regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. J'aimerais bien que tous mes messages parlent à tout le monde, tout le temps, mais faut être réaliste, hein, je suis pas là non plus pour vous vendre juste de la poussière ou des paillettes, et que malheureusement, ben, ça pourra pas forcément parler à tous les coups. Ok, petit aparté, j'ai ouvert également mon agenda pour le mois d'août. Si vous souhaitez du coup une consultation de guidance voyance, n'hésitez pas à aller sur mon site internet qui se trouve du coup dans la barre d'informations. Tous les renseignements sont à votre disposition. Et pour info également, je reviens incessamment sous peu sous Instagram. Je n'ai pas encore prévu le jour, mais en tout cas, ça arrive à grand. Voilà, allez, je m'arrête là et puis du coup, on est parti. On va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, mes chers et tendres signes astrologiques. A tout de suite. Mes chers et tendres béliers, ça y est, on est parti. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 5 au 11 août 2024. Comme d'habitude, j'ai utilisé Madame Indira. On va aller tirer du coup, enfin, on va aller faire une coupe et tirer 9 cartes. Ensuite, j'ai, comme d'habitude, le jeu 32. Le marc de café et puis on ira prendre quelques cartes avec le Béline. Allez, je me concentre mes chers et tendres béliers pour vous du 5 au 11 août. On va faire une coupe. Qu'est-ce qui se passe à la coupe déjà? Allez, du 5 au 11 pour les béliers. Ok, le 3 d'écu. Bon, alors là, il est question d'argent. Soit il y a une surprise qui arrive sur le plan financier, une opportunité, soit vous allez discuter argent. On vous dit que vous avez la protection également sur vous. Alors, est-ce que là, vous n'êtes pas en train de régler des papiers administratifs en lien avec de l'argent ? Et que peut-être vous êtes peut-être en train de remettre vos comptes à jour. Il y a eu peut-être des difficultés incessamment sous peu et que là, ça y est, vous allez profiter, pourquoi pas, de cette prime ou de cette somme d'argent qui arrive à vous pour régler ces petits soucis financiers. On vous dit même pour certaines personnes que ça pourrait être arrivé extrêmement vite, pourquoi pas d'ici 3 jours, hein, ou 3 heures, ou voire 3 semaines grand maximum. Sur le plan pécunier, il y a des choses qui se stabilisent. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cavalier de cœur, nous avons le 10 de carreau et nous avons la naissance également. Alors, est-ce que pour certaines personnes, là, vous êtes peut-être enceinte et que vous êtes en train de régler des papiers par rapport à votre grossesse parce que vous êtes éventuellement en arrêt, ok? Et pour d'autres, c'est comme si là, il y allait avoir une opportunité professionnelle qui va vous amener à signer un nouveau contrat, ok? C'est comme si, pour moi, il y a quelque chose qui arrivait à vous, peut-être du bouche à oreille, qui va un petit peu, pourquoi pas, vous proposer ou que vous allez postuler à une offre. Regardez, il y a quand même encore ce 10 de... Ce 10 de carreau, hein, ce 10 de carreau qui annonce quand même changement, grand déplacement ou pourquoi pas opportunité professionnelle. Hein. Allez, on est parti, on va aller voir pour vous les béliers. On va aller tirer 9 cartes. Hop. 1, 2, 3, 4. 5, 7, 8. 9. Hop, allez, je les mets bien et puis on est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en dos de deck. Bon, on a le 6 de pique, on a le 10 de cœur et on a le soleil. Oh, et on a des signatures, on a de la communication. Bon, on a quand même la maladie en dos de deck. Avec ce 6 de pique, pour moi, c'est comme si peut-être certaines personnes, là, cette semaine, vous êtes en arrêt. Ou du moins que vous allez, pourquoi pas,
régler quelque chose sur le plan professionnel. Est-ce que vous êtes dans un mal-être là où vous vous trouvez? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce que vous n'en pouvez plus et que du coup là, peut-être que vous êtes déjà en arrêt depuis un petit moment et que cette semaine, vous allez devoir vous déplacer pour régler quelque chose, parce qu'on voit des échanges par rapport à la maladie sur le plan professionnel. Alors, est-ce qu'il y a eu un accident peut-être sur votre lieu de travail, hein? Est-ce que vous vous êtes fait mal et que là, actuellement, du coup, vous êtes en train de régler des papiers par rapport à l'assurance, par rapport éventuellement à un changement aussi? C'est comme si le plan pro était vraiment important cette semaine chez vous. Donc faites attention tout de même à certaines personnes, hein, de ne pas vous blesser lors de votre activité professionnelle. Faites vraiment, restez vigilant, vigilante, hein, parce que c'est vrai qu'on voit avec ce 6 de pique que c'est quand même un peu les tracas, l'angoisse, les petits soucis de santé, ok? Avec ce 10 de cœur, peut-être qu'éventuellement, ouais, c'est quelque chose qui vous tracasse sur le plan sentimental, éventuellement pour certaines personnes. On vous dit de toute façon que grâce à la communication, celle-ci pourrait reprendre de plus belle, mais c'est comme s'il y avait peut-être besoin de traverser une période un peu complexe, un peu laborieuse dans votre couple pour pouvoir repartir de plus belle par la suite. Allez, on va aller voir. Vous avez la dame de cœur, ok. Donc, soit il y a quelqu'un autour de vous, c'est peut-être votre sœur, une amie à qui vous allez avoir des nouvelles cette semaine. Peut-être qu'elle vous soutient ou du moins qu'elle va vous accompagner. Pourquoi pas cette semaine. On voit également ce roi de cœur. Alors, c'est un couple. Peut-être qu'éventuellement, ça peut être vous. Hein, si vous êtes blonde, si vous êtes châtain clair, il y a la notion de couple cette semaine et il va y avoir peut-être un petit peu des discords. Donc, bon. Peut-être une petite engueulade, hein, si, voilà, si vous vous trouvez dans cette situation, hein, vous n'allez pas être d'accord sur un sujet ou du moins qui est un petit peu, vous traversez une période un peu complexe dans votre couple. Pour d'autres personnes, c'est comme si là, pour moi, soit on vous propose un contrat, c'était un couple hein, qui ont une structure, qui ont une entreprise et qu'on va vous proposer quelque chose, d'accord? On vous dit bien que c'est sur le cadre également professionnel. Avec ce 5 de carreau, on voit des déplacements qui sont faits, pourquoi pas pour signer justement ce nouveau contrat, d'accord? On voit ce 5 de pique également. Il va y avoir des échanges. Ces échanges vont, par la suite, vous amener en tout cas à une stabilité. Donc, pourquoi pas, effectivement, un petit crépage de chignon avec votre hôte. Et pour d'autres, professionnellement, avant de signer, pourquoi pas ce contrat? C'est comme s'il y avait des discussions assez profondes qui vont devoir avoir lieu pour trouver un accord. OK? Regardez, vous avez la grossesse. Il y a une signature, là. Il y a quelque chose qui se matérialise sur le plan professionnel. Et pour d'autres, peut-être que même sur le plan sentimental, vous attendez un heureux événement, ok, que là, cette semaine, ça va être un petit peu, voilà, il va y avoir des discussions peut-être en lien avec votre activité professionnelle, à savoir est-ce que vous mettez en arrêt, vous ne vous mettez pas, parce que vous êtes extrêmement fatigué, pourquoi pas, parce qu'on voit quand même ce 6 de pique et on voit ce 10 de cœur. Donc peut-être qu'éventuellement, là, vous êtes au bout du rouleau hein, et qu'il était temps de stopper, ou du moins que vous êtes dans un pays où il fait très très chaud, parce que la Bretagne, c'est pas du tout ça, et que du coup, là, vous allez décider de vous reposer, de vous mettre en arrêt. Il y a ce roi également de carreau, donc je serais pas étonnée pour certaines personnes qu'il y a quelque chose sur le plan pro, là, qui va bouger. Il y a une opportunité qui pourrait se présenter à vous, hein. Vous avez le 6 de cœur, et vous avez également des nouvelles. Des nouvelles sur le plan professionnel, des nouvelles par rapport à vos discussions que vous pourriez éventuellement avoir cette semaine, par rapport à un poste. C'est pas du tout négatif hein, pour vous les béliers. Je vais juste recouvrir le 5 de pique. On va voir qu'est-ce qu'ils veulent avec ce 5 de pique. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, avec ce 5 de pique. Hop. Ah, peut-être qu'il y a une question de notion d'argent. On l'a vu en plus en début, hein, que peut-être éventuellement cette semaine, vous régliez des soucis d'argent, ou du moins, vous remettez à plat vos comptes, ou il y a la notion d'un aspect financier pour vous cette semaine. Il y a des nouvelles qui arrivent, mais pour moi, ces nouvelles sont plutôt concluantes et plutôt positives. Hein. Ok? Bon, on va aller voir avec madame... avec le jeu 32, pardon, qu'est-ce que je raconte? Il y a quelque chose qui se... Ouais, qui se stabilise. Voilà, j'arrivais plus à trouver mon mot. Qui se stabilise. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, du 5 au 11. Hop. Oh, on a de la colère. La colère par rapport à un papier, par rapport à des discussions, par rapport à des échanges peut-être par écran interposé. Alors, est-ce que vous attendez un courrier qui tarde à arriver, du coup, que ça vous met en colère pour régler peut-être éventuellement de l'aspect financier, votre contrat, pourquoi pas? Allez, on va aller voir pour les béliers. Du 5 au 11 août.
Avec certitude, il y a quelque chose qui s'officialise et un contrat. Oh, il y a même une surprise par rapport à de l'argent qui vous met en joie. Waouh! Regardez-moi toutes ces belles cartes. Avec certitude, il y a un contrat, il y a de l'engagement qui arrive à vous. Ça vous met, en tout cas, c'est une surprise. C'est quelque chose d'inattendu qui va se préparer. On vous parle d'abondance, on vous parle de joie également et on vous dit que c'est en lien avec de l'argent. Je vous ai dit cette semaine, il y avait question notion d'argent, il y a quelque chose que, comme, il y a besoin de stabiliser quelque chose. Et on voit peut-être que c'est même en lien avec une personne de votre famille ou du moins que cette personne qui vient à vous vous annonce qu'il y a une sacrée progression sur le plan pécunier ou tout simplement peut-être que cette personne vous propose une signature de contrat. On voit qu'il y a beaucoup quand même d'inquiétude. Il y a une forme un petit peu d'angoisse. Nous avons ce roi de cœur, nous avons le 9 de carreau et nous avons le 10 de carreau et le 8 de carreau. Bon, ok, bon, là on est vraiment dans du feu, dans de l'action, hein. Là, il va y avoir des déplacements qui, pour moi, sont en train de se mettre en place, se préparer par rapport à un grand changement qui va avoir lieu. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que c'est une prime qui va rentrer parce que vous êtes enceinte? Du coup, vous allez recevoir cet argent. Pour d'autres, est-ce que éventuellement cette semaine, vous remettez vos comptes en bonne et due forme, si vous rencontriez éventuellement des difficultés. Et pour d'autres, c'est comme si moi, avec certitude, il y avait quelque chose qui était signé au niveau contrat. Hein. Ah ouais, ça a pris peut-être un petit peu plus de retard, mais on voit qu'il y a le changement qui est là. Hein. Ok, et on voit pourquoi pas un déménagement ou bien quelque chose qui change. Hein. Allez, on va aller voir pour vous, on va aller tirer 9 cartes, s'il vous plaît, pour les béliers. Hop. Allez, s'il vous plaît, on va aller prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9. Allez, je les mets bien. Check, check, check. Hop, et on est parti. Dos de deck, avec certitude, il y a eu du retard par rapport à des nouvelles, par rapport à cet engagement. Mais on voit qu'il y a une surprise qui arrive à vous, un visuel, un face-à-face vous concernant. On vous dit de faire très attention par contre à qui vous parlez par rapport à un projet, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Parce qu'on voit qu'il y a de la jalousie. Hein. C'est peut-être une personne ou plusieurs personnes qui ne veulent pas vraiment vous voir évoluer. Donc on voit quand même avec certitude qu'il va y avoir du retard. Ok, donc si vous êtes en attente d'un engagement, si vous êtes en attente de papier, peut-être pour ça qu'on vous a vu en colère tout à l'heure. Si vous êtes en attente de nouvelles, on voit que celles-ci vont peut-être perdurer, on va mettre plus de temps à venir à vous, mais on vous dit qu'il y a une bonne surprise qui se présage, qu'il va y avoir un visuel, un face-à-face qui va avoir lieu et qui vont en tout cas vous prévenir qu'il y a quelque chose, un sacré changement qui se prépare. Mais attention tout de même à cette personne ou à ces personnes qui veulent vraiment, qui veulent pas forcément vous voir réussir ou du moins cette jalousie qui est un peu persistante. Vous avez le 10 de cœur, donc le 10 de cœur qui annonce projet même sentimental, projet évolution, projet tout court. Donc c'est plutôt pas mal sur de l'engagement, sur éventuellement l'immobilier, tout ce qui est en lien avec la famille, tout ce qui est en lien vraiment avec le côté on construit son cocon. Je serais pas étonnée, comme on l'a vu tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une notion de grossesse, une notion de on achète un bien ensemble, on s'installe concrètement ensemble, on fait quelque chose à deux. On voit quand même qu'il y a cette colère qui est présente. Ok, alors c'est peut-être de la colère vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage. Peut-être que vous attendez des nouvelles vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis d'un ami qui doit vous en donner et que là aujourd'hui, il fait un peu le mort ou la morte. Et que du coup, ça vous met en colère parce que peut-être que cette personne doit vous soutenir ou doit peut-être organiser ce déménagement ou organiser quelque chose qui vous tient à cœur. On a également cette dame de cœur. Ça peut être également soit un couple ou tout simplement une amie qui vous rend visite cette semaine ou du moins qui est vraiment présente à vos côtés. Qu'est-ce qu'on a? On a également cette dame de pique, ok, et on a ce déplacement, petit déplacement. Ça peut être vous, hein, si vous êtes bien évidemment veuve, divorcée, si vous avez plus de 50 ans, est-ce que là vous êtes dans un projet immobilier? Que vous allez vous déplacer cette semaine pour justement signer quelque chose, signer changement, déménagement, quelque chose qui va s'officialiser. On vous dit que vous allez avoir de la colère. Alors peut-être c'est de la colère vis-à-vis de vos enfants également, hein, si vous êtes vraiment cette dame de pique. Et on voit, ouais, il y a le déménagement, il y a le changement.
Et on vous dit qu'il y a quand même la joie, la satisfaction. Ok? Donc vraiment, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Le résultat, en tout cas, ça fera de la joie avec certitude par rapport à des retards. Vous aurez des nouvelles avec vraiment certitude par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Peut-être qu'entre-temps, vous allez apprendre que vous êtes en colère parce que vous avez appris que vos enfants, il y a quelque chose qui ne va pas éventuellement, hein. Et pour d'autres personnes, c'est comme si là, pour moi, il y avait le changement, quoi. Ce grand, grand changement. Alors, est-ce que vos enfants ne sont pas d'accord parce que vous allez déménager, vous allez vous éloigner d'eux éventuellement? Il va y avoir une opportunité à saisir que bah du coup ça va peut-être pas forcément plaire à toute la famille. OK? Bon, on va aller voir avec maintenant le marc de café. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, allez pour les béliers, marc de café. Hop, qu'est-ce que nous avons? Bon, nous avons l'automne, nous avons la prospérité. Regardez le blé qui pousse. Donc, on voit là vraiment que les choses, là, financièrement ou du moins matériellement, ça se met en place. On voit, il y a des déplacements. Ok. Ok. Est-ce que pour certaines personnes, il n'y a pas un déplacement à l'automne? Est-ce que vous avez peut-être prévu de partir en vacances pour cet automne? Partir loin? Regardez, on a les vœux exaucés. On a l'anneau. Et c'est beau. On a l'union également. Oh! Oups là, allez, boum, badaboum. On a la protection. Ok, on a l'union. Waouh. Et on a des accords. Je ne serais pas étonnée, ouais, que c'est clair que pour certaines personnes, là, vous vous installez avec votre hôte, ou du moins, il y a un projet qui arrive à vous, hein, et on vous dit que d'ici cet hiver, ou du moins depuis l'hiver dernier, il y a eu beaucoup de mouvements dans votre vie, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, et on vous dit que ça y est, la transformation est au rendez-vous. Vous allez pouvoir respirer, vous allez pouvoir souffler, parce que vous allez vous sentir enfin libre et enfin prête à faire ou prêt à faire ce que vous souhaitez concrètement. Pour moi, je pense, oui, on voit des vœux exaucés. D'ici cet automne, c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose qui se mettait en place. Donc, on voit le chameau. Donc, peut-être que vous partez hein, en Égypte, peut-être que vous partez en Tunisie, au Maroc, je ne sais pas, mais dans un pays où vous allez vraiment vous sentir bien. Pourquoi pas de là, il va y avoir une rencontre envisageable qui va vous amener vraiment cette joie, cette satisfaction, cette protection. Et on voit que par la suite, il y a des accords qui seront trouvés. Moi, je pense que même par rapport éventuellement, hein, si cette semaine vous avez des nouvelles de vos enfants ou du moins qui ne sont pas forcément satisfaits de vous voir évoluer, de vous voir peut-être changer, déménager, bon, on voit que ça le fera quand même, d'accord? Parce qu'on sent comme si c'était depuis cet hiver que vous étiez un petit peu vide de sens, comme la vie n'avait plus d'intérêt, la vie n'avait plus de sens, et que là, ça y est, vous reprenez du poil de la bête et vous repartez, vous prenez vraiment votre envol, votre liberté, quoi, ok? Bon, on va aller voir avec le petit le Béline. On va tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour conclure ce tirage, mais qui est un tirage quand même plutôt pas mal. Plutôt pas mal pour cette semaine. Hein. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, du 5 au 11 août. Hop, allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Présent, cadeau. Bon, déjà il y a le cadeau qui se prépare. Ok, par rapport à le travail, par rapport à pourquoi pas une opportunité professionnelle, quelque chose qui pourrait se présenter à vous. On parle d'évolution. Oh, on parle de changement. Magnifique. On parle de despoutine. C'est comme si pour moi, il y avait une. On voit cette légèreté, on a vu le papillon, mais bon, bah écoutez, elle est partie. Et on voit, c'est vous le consultant, la consultante. Le despotisme, pour moi, ça, despotisme, pardon, c'est comme si là, vous étiez vraiment, ça y est, vous allez prendre possession, vous allez déchirer, couper ces chaînes et retrouver votre liberté, votre légèreté. Et je suis sûre que pour moi, là, d'ici, peut-être pas là cette semaine, mais d'ici quelques mois, il y a quand même des changements importants qui vont arriver dans votre vie, qui vont vous permettre d'évoluer, de grandir encore, de comprendre le sens, pourquoi pas, de votre vie, de comprendre le sens également de ce que vous devez, voilà, une période peut-être compliquée à traverser. Et même sur le plan professionnel, c'est comme s'il allait y avoir quelque chose qui pourrait éventuellement se présenter à vous, vous permettant de faire ce changement, d'acter concrètement, pourquoi pas, à un autre domaine à voir. Mais on vous dit que ça y est, là, vous prenez vraiment votre envol, et vous allez
Alors, ça va peut-être mettre un peu plus de temps. Bah oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas là tout. Enfin, c'est pas tout de suite, mais c'est comme si vous allez prendre conscience que là, il y a des choses qui doivent être clôturées là, maintenant, ici. Ok? Plutôt prometteur. Bon, eh bien écoutez, je vous envoie en tout cas tout le bonheur inimaginable et possible. N'oubliez pas surtout que je vous kiffe et je vous love. Et puis du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!